Zombies ate my neighbors. Littéralement, les zombies ont mangé mes voisins. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour ce jeu. Jeu qui est peut-être pas si connu que ça. Et on va jouer avec l'espèce de blondinet là, à la coupe à la Billy Idol. Avec ses lunettes 3D. Avec son pistolet rouge, attention. Alors, qu'est-ce que ce jeu? Pardon, j'ai mal cliqué. C'est un jeu très simple. Rescue the neighbors in zombie panic. C'est-à-dire, sauve tes voisins dans la panique des zombies. Eh ben c'est pas compliqué, il faut sauver nos voisins des zombies. Les zombies les voici. Hop, et les voisins les voici. Merde. Il faut en fait récupérer tous les voisins de chaque niveau. Avant qu'ils se fassent bouffer par ces zombies. Hop. Donc pour ça on a un flingue, on a aussi d'autres armes. Donc là j'ai ramassé des... Comment ça s'appelle? Il me faut une clé là. Ouais je l'ai. Hop, je peux ramasser le petit bébé. On a tout un panel d'armes. Donc là j'ai le flingue, vous l'avez vu. Crève. Mais j'ai aussi les cocktails. Boum. On va sauter là, on va récupérer la clé qui est ici. Vous voyez, je peux changer mes armes en haut à gauche. Hop. Alors on a un petit radar, le radar à la Dragon Ball pour trouver nos voisins. Bâtard, bâtard, il me suit. Et nos voisins, merde, ils sont en haut. Sachant que vous avez un bonus sur m'a ramassé tous les voisins du niveau. Putain, je peux pas passer par là. On va passer par en bas. Bâtard. Hop, on sauve un autre voisin. Voisin, il y a des monstres. Tu ne les as pas vus? Ah, je crois qu'elles sont fait bouffer les deux en haut. Ouais, il y avait deux pom-pom girls. Bon, j'ai sauvé le chien, c'est le principal. Ah non, elles sont là, les pom-pom girls. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Ça s'ouvre pas ça, si. Clé. Hop. Et voilà, on a fini le premier niveau. Et une fois que vous avez ramassé tous les voisins dans le niveau, une porte s'ouvre, vous pouvez vous sauver. Et là, je ne sais pas si j'ai tous sauvé. Ouais, je crois que j'ai tous sauvé. Toutes les victimes ont été sauvées, on gagne un bonus et on gagne des points. Et ça dans niveaux différents. Vous avez compris le système, vous avez compris tout le jeu. Level 2, Evening of the Undead. Donc le la soirée des morts vivants. Donc c'est une référence bien sûr à Romero. Et tous ces films. Matar. Donc le jour des morts vivants, la nuit des morts vivants, etc. Pour ceux qui connaissent les grands classiques de l'horreur. Je peux changer, j'ai quoi comme arme? Monsieur, il y a des zombies, cachez-vous. Tiens, dans sa piscine, il s'en bat les steaks. Il faut quand même se dépêcher pour que les zombies viennent. Hop. Ah oui, c'est ça. Oh, ouais. Oh, ça casse tout, c'est trop bien. Ah merde, il y avait un monstre. Et donc, on a une barre de vie, bien entendu, en haut. Merde, comment on change d'arme? Hop, le petit bébé. Ah. J'ai une fiole pour me transformer en monstre. Donc là, il y avait Indiana Jones, regardez. Tan 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 tan. Ouais, de la thune. Tan 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 tan. J'essaie de ramasser. Dégage toi. Tan 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 tan. Où sont les autres à sauver? Encore un autre Indiana Jones. Moi, c'est encore un sauvé. Vous pouvez le voir en dessous. Puis il doit être ici. On va creuser un endroit. Voilà, et on va sauver la petite pom-pom girl. Hello! Et on y va. Donc là, c'est le premier niveau. Ça, c'est facile, mais après, ils se font bouffer assez rapidement. Le jeu est sympa, c'est très coloré. La prise en main est géniale. Oh, j'ai tout sauvé. Mais c'est un jeu marrant, mais un jeu peut-être pas trop connu. Je pense pas qu'il soit extrêmement connu comme jeu. Niveau 3: Terror in Asie. S5 Terror dans l'L5. Merde. Vite, vite. Vite, vite, il y a l'autre là-haut. Non, je l'ai loupé. Ça va, je l'ai sauvé. Oh putain. Donc là, on est vraiment dans un centre commercial. Ok, il y a un... Merde, putain, je crois me faire défoncer. En bas, ici. Il y a le couple de touristes. On croirait le couple de touristes dans... on s'appelle... Dans Tojime Earl. Ok, on part. Non, je me trompe de touche. Non, c'est là que je voulais. Ah, ça casse pas. Ah merde. Je pensais que ça cassait. C'est assez rapide quand même, les zombies. Ah, je crois qu'il a bouffé le bébé. Non.
Comme dans tout bon film d'horreur, les enfants ne meurent pas. On ne tue pas les enfants. Putain, c'est quoi l'outil à une hache? Merde. Don't touch the baby! Je crois que c'est notre ma city. Ça se mange ça? Ah merde, j'ai pas la clé. Putain, mais il fait mal ce petit con. Tiens. Ok, c'est des tomates. Ah, j'ai un clown. Ça sert à quoi le clown? Ah, c'est un leurre, d'accord. Oh merde, ils l'ont tué, merde, vous avez vu? Je regardais ailleurs. Et... Oh merde, je me suis fait tuer. Oh, c'est des diables en fait, des petits diablotins. Merde. Ah merde, j'ai laissé un mec se faire tuer, j'ai sûrement laissé ceux du bas se faire tuer aussi. Ah, des chaussures. Je veux des chaussures! Dégage, putain. Putain, il nous suit. Salut, beauté. On va avoir un coup après. Clin d'œil, clin d'œil. Hop. Vraiment, t'as tout un panel d'armes, on se croyait dans... Putain, ils sont chiants. Comment s'appelait le jeu Le jeu où on devait trouver du sérum Dead of Lightning, je sais plus. Que j'avais sur PlayStation, il était génial le jeu. Alors, j'ai sauvé 9 mecs. Hein, parce que malheureusement, j'ai laissé. On va croire que j'ai sauvé toutes les pom-pom girls. Hein. Le couple de vieux, je l'ai laissé un peu se faire bouffer. Niveau 4. Shenso Edgemaz Mayhem. Alors, Shenso, c'est. Comment ça s'appelle? Texas Shenso. Ah oui, bah regardez. C'est Massacre à tronçonneuse, pardon. Crachez-vous! Voilà. Hop. Scratchez-vous! Donc là, les mecs, par contre, plutôt, ils ont la tronche de Jason, hein, on va se mentir. Un mélange entre Jason et puis. Massacre à tronçonneuse. Merde, il l'a buté, putain! Grosse daube! Merde, je voulais pas tirer. Putain, c'est vraiment de la merde cette arme. Je pense que je peux pas les tuer. Non, effectivement, eux ils vont être plus durs. Ah, c'est la merde parce qu'on peut pas trop passer. C'est un vrai labyrinthe le niveau là. Là, ça. Ok, ça peut ouvrir. D'accord. Ok. Écoutez, pourquoi pas. C'est ici que ça aurait pu l'ouvrir. Putain, alors lui. Il casse tout, il s'en bat les steaks. Ah, je trouve ma prof, c'est le principal. Que serions-nous sans les profs de l'école républicaine, messieurs? Rien du tout. Merde. Oh non, on le tue pas! Merde, il a tué le gosse. Désolé, Billy. En fait, je voulais changer d'arme, mais j'ai pas réussi. Ok, j'ai sauvé le petit couple de vieux, là. Ça leur fait rien, je vais leur tirer dessus, ça leur fait rien du tout. Là où il y a un... Oh putain. Laissez-moi passer. Tu sais, je me suis coupé la tête 5 fois. Attends. Allez, amusez-vous avec Bozo le clown, là. Le beau Bozo. Bonjour, mademoiselle. Putain, mais ils sont tous contre moi. Je vais pas couper ici. Non. Non, non, ils ne veulent pas, non. Putain, ils sont collants. Moi, ils ont sauvé, le pire, c'est que je sais qu'il y en a un qui est à gauche. J'aimerais bien qu'il le tue avant. Ah! Écoutez, je me repose, monsieur. Massacre contre sonneuse, j'aimais bien les deux premiers. Le troisième était très moyen. Le 4, je crois que c'est Massacre contre sonneuse nouvelle génération, c'était de la merde! Oh là là, c'est des espèces de nigos qui sortent d'un bal de promo, mais nul à chier. Oh, c'était nul. Oh là, la nullité. Ah, merde, j'avais pas la clé. Passe-partout, je n'ai pas la clé.
Et il m'a buté, merde. Ah, j'ai pris les super chaussures. Je cours comme Sonic maintenant. Je cours même comme Sonic le rebelle. Sonic le rebelle. Ils se jurèrent de retrouver leur mère. Sonic le rebelle. Putain, c'est pas longtemps ça. Putain, ils te suivent, mais. Oh, putain, ils font mal. Ok, donc c'est cette connasse qu'il fallait que je sauve. Putain, attends, je sors comment? Je suis perdu dans les labyrinthes. Les labyrinthes de maïs, il y avait des films comme ça sur les labyrinthes de maïs. C'était pas génial, non. Effectivement. Allez, loot avec son trampoline, là, espèce de connasse. Sale grognasse. Non, attends, y'a quoi en bas? Je peux pas y aller. Combien j'en ai sauvé? Je crois que j'en ai sauvé 9. 9 ou 8. Ah non, c'est au tuer le bébé aussi. Oh, 7. Oula, j'étais un peu nul. Ok, niveau 5. Weird Kid on the Block. C'était comment la chanson? Kid on the Block. Non, c'était comment? Oh putain! Il me ressemble. Merde, bah il est mort lui. Donc ça veut dire les drôles de garçons des blocs. Oh putain! Ils me ressemblent tous! Ah, je peux me battre avec des couteaux. Ça leur fait peur ça. Oh énorme! C'est une parodie du film L'invasion des profanateurs. Ou l'invasion des profanateurs de sépulture, qui sont en fait des. Comment on appelle ça? Des plantes extraterrestres en fait qui prenaient possession des personnes. En fait, qui se nourrissaient des humains et se transformaient en leur double complètement à la masse, quoi. Hop. Putain, elle est super l'arme que j'ai, là. Ah, t'as raison, on fait un petit barbecue, tu sais. On cuira des zombies. C'est un très bon film, il y en a eu plusieurs. Le premier, c'est l'invasion des profanateurs de sépulture qui sont trempés dans le titre. Ouais, regardez, c'est des plantes, comme ça. L'invasion des profanateurs de sépulture. Parce qu'il n'y a aucune sépulture, hein, donc il n'y a aucune profanation, aussi. Et c'est Body Snatcher, c'était ça le nom. Et il y a une suite. Enfin, il y en a un tout vieux que j'ai pas vu. Moi, c'est l'autre avec le mec qui fait. Oh, parce qu'il crie, ils ont un drôle de cri. Ah, je peux les enlever, ça, d'accord. C'était plutôt pas mal foutu comme film. Et le 2, le remake, il est pas mal aussi. Enfin, c'est un remake. Voilà quoi. Quand j'ai un remake, c'est une drôle de remake. Qui se passe dans la base militaire. C'est sympa, ce sont des films assez sympathiques. Vous pouvez l'avoir vu quoi. Oh attends, là il y a les machins. Ah, il me tire dessus. Mais où est le dernier? Là il me manque un mec. Et je le vois pas sur mon radar. Mon radar à con. Mon radar à con ne s'affole pas. Putain, on peut pas un paquet. Ah, en bas. Toc. Merde. Ah, la pom-pom girl, elle m'attendait. Nanana. J'ai dû en sauver 9, je pense. Ah ouais, 6. Ah oui, quand même. More shocking than level... plus effrayant que le niveau 5, le niveau 6, pyramide de la terreur. Les touristes. Donc on passe ici au niveau des pyramides, donc on va y avoir des momies. Ah, ça leur fait rien, ça? Ah merde. Putain, il y a des momies partout. Il y a des loulous partout, c'est fou. Ya! Ya! Tan 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 tan. On va prendre une potion et je vais normalement me transformer en monstre. Amenez-vous! Tiens, espèce de bâtard! On les bute à main nue.
Mais... ouais. Quand y a pas du souci de collision. C'est ça, les momies elles sortent de là. Ah, je peux casser ça, cool. Tu veux te battre la momie? Je te prends 1 versus 1. En fait, ils te bloquent les zombies, tiens. Non, on peut passer par ces trucs de sable. Ah merde, déjà. Énorme. Attends, j'ai un truc de soin. C'est quoi ça, le coffre? Ah, ok. Il y a plein de momies en dessous, on va pas y aller. Ah, on a sauvé le dernier. Ah, c'est encore un merde. Ah, là-haut. C'est plus difficile, là, à trouver. Et voilà le dernier. Il y a un truc, là? Non. Je vois un petit peu ce que j'ai. Ok. Donc il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut trouver. Et pas mal de différences. Docteur Tong's Castle of Terror. C'est Docteur Tong, je crois que c'est une maladie. Ah, on est dans un château. Château de Moulinsart. Tiens, tiens, prends mes couverts. Oh, il a pu me toucher. Ah, on peut ouvrir partout. Merde. Ah non, c'est juste un truc pour se cacher, merde. Et on passe par où là? Ah, là-haut. Donc pas mal de décors différents, c'est sympa. Ah, où les clés? Et il faut adapter vos armes à votre ennemi. À vos ennemis, pardon. Plutôt bien foutu. La pom-pom girl que je sauverai toujours au péril de ma vie. Ok, je peux passer par là. Ah merde, y'a ça. Attends, comment on... Le problème, c'est que ça refait rien. Ah, ils l'ont tué, merde. C'est quoi la potion, là? Il y a une potion, je vais la boire. Oh, j'espère vite. Faut aller où? Ici? Il y a des clés partout, tu sais même pas où c'est qu'il faut. Ah putain, un monstre de merde. Ah, là-haut. Oh, une croix celtique. Ah, la musique, on croit la musique de Columns. Comment je fais pour aller là-haut? Un passage pour monter ici. Merde. Ouf, j'ai tué comme ça. Ok. Comment on fait pour monter? Je ne sais pas. Putain. Je vous tire pop. Son balistique. Ah là-haut. Je peux passer, non? Bah non, je sais pas. Attends, comment on doit y aller? Sinon, j'ai déjà visité, non? Merde, je vais pas utiliser ça. Je sais pas. Bon, en fait, je sais pas. Ça me dit plus rien, en fait. Je me rappelle plus. Il y a par le bas là. Sur par le bas, ouais. Ah là, il y a vraiment un truc. Comment je change d'arme déjà? Non.
Ah bah je suis mort, merde. Ah merde. Ah écoutez, on ne le saura pas. C'était Zombie Ate My Neighbors. Bah merci d'avoir suivi. C'est un jeu sympathique. Si un jour vous le trouvez, n'hésitez pas. Concrètement, j'étais sympa de l'avoir trouvé, de l'avoir joué. Ça fait une paye, putain, je me rappelle plus du tout. Merci d'avoir suivi. Ciao.